Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Flammy Point, donc ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu. Du coup, qui dit Flammy Point dit potentiellement nouveauté sur la chaîne et changement. Du coup, là, on va s'attaquer à un changement en particulier et des nouveautés aussi qui vont arriver. Donc, le premier changement qu'il va y avoir sur la chaîne, il s'agit tout simplement que le rythme de vidéos qui va être publié par semaine va réduire, car 6 vidéos par semaine, c'est un certain rythme et je vois très clairement que l'esprit ne vous plaît pas. Et c'est donc là que vient la nouveauté, du coup, la nouveauté qui va être un nouveau format, enfin plusieurs nouveaux formats de vidéos. Donc on va avoir des formats review, donc en particulier sur tout ce qui est animé que je regarde. Donc il y en a certains qui ne sont pas très connus, donc que vous pourrez découvrir comme ça. Et d'autres qui sont plutôt connus justement. Il va y avoir aussi un nouveau, c'est le c'est quoi. Donc c'est quoi, ça va être un petit format de vidéo qui va expliquer qu'est-ce que c'est cette chose par exemple. Donc je prends un exemple, c'est quoi des fleurs par exemple. Ça c'est un simple exemple. Ça va être sur des sujets un peu plus type animé, jeux vidéo, voilà. Et on va avoir le format c'est qui est un peu dans le même type en présentant justement un personnage, que ce soit de jeux vidéo ou de du coup d'animé et autres. Donc voilà. Donc c'est pas mal de changements qui vont arriver et du coup le fait de réduire le rythme de vidéo sur la chaîne, il sera mis en place une fois que du coup Assassin's Creed Révélation sera terminé. Car ça va falloir quand même que je garde un bon rythme pour le finir. Donc normalement on n'est pas très loin de la fin. Du coup, normalement, le display devrait finir d'ici peu. Enfin, d'ici peu, peut-être quelques semaines. Et surtout, quand la diffusion de UHC Random sera... Enfin, UHC Random saison 2 sera commencée et sera terminée. Une fois cela fait, du coup, les vidéos c'est quoi, c'est qui et les reviews seront des vidéos beaucoup plus travaillées que vous avez eu, que ce que vous avez eu d'habitude. Donc je me dis, le mieux c'est de faire des vidéos beaucoup plus travaillées parce que je fais beaucoup de vidéos, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne parce qu'elles ne sont pas assez travaillées à mon goût. Et je me dis, clairement, si c'est pas assez travaillé, ça va pas plaire. Parce que c'est clairement du bâclé, on peut dire ça. Parce qu'il n'y a pas la prise de temps, il n'y a pas l'attente de faire du montage. Donc je me dis, vaut mieux que j'arrête de faire ça, que je bosse un peu plus sur des vidéos qui pourraient intéresser et du coup... montrer à des personnes que je suis capable du coup de faire de bonnes vidéos. Et du coup voilà tout ce que j'avais à dire pour ce Flammy Point. Donc j'espère quand même qu'il vous a plu. Ça apporte quelques nouveautés sur la chaîne et qui pourra du coup changer un peu ma chaîne qui était considérée comme une chaîne seulement gaming à l'heure actuelle, qui va passer du coup en chaîne gaming et review du coup. Donc ça va faire un peu bascule sur les deux, ça va changer un peu le rythme. Ça ne fait pas que les let's play ne vont pas s'arrêter pour autant, donc on fera toujours quelques let's play, mais on en fera moins d'un coup. Parce que là, genre dernièrement, on a eu 3 let's play en même temps, c'est impressionnant. Du coup, je me dis, on va réduire le rythme, mais il y en aura toujours. Donc en tout cas, voilà, j'espère que cette petite Flammy Point vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager, ça me ferait super plaisir. Pour les intéressés, vous avez tous les liens utiles en description, donc n'hésitez pas à checker. Et pour ceux qui aiment me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde!